Regardez-moi. Voilà Pierre. Je suis le plus beau du quartier. Voilà ses bien amis. Tous les mercredis, les amis dînent ensemble. Chaque personne a besoin d'amener un idiote pour voir que comme vous rencontrez le plus drôle et stupide invité. Ils appellent ce jus le dîner des cons. Mais Pierre a un problème. Aujourd'hui est mardi et il n'a pas de pain. Oh! Bye. Come on, ne me touchez pas, non, ne me touchez pas. T'es très maladroit, quoi. Je suis désolé, même pas de l'esprit avec moi. Non, ne me touchez pas. De la chance, on va la chasse au père et carabine. Entrez. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Pignon. Est-ce que vous apportez votre travail d'art? Oui, j'ai apporté mes yeux. Oui, formidable travail. Tu peux regarder. C'est vraiment joli, vraiment formidable. C'est un travail spécial. Magnifique. Mais un travail spécial. Intéressant. Dites-moi, monsieur Pignon, est-ce que vous êtes marié? Oui, mais non, je ne sais plus. Est-ce que vous êtes marié, oui ou non? Non, j'étais marié, mais je n'ai plus. Elle m'a quitté. Pierre, je suppose que tu es allé au dîner. J'ai voulu informer que je ne rentrerai pas ce soir. Je suis désolée, mais je crois que je ne rentrerai jamais. Adieu, Pierre. Au fond d'une poche oubliée. Est-ce que vous avez besoin de rien? Non. Des restes de rêves. Quelqu'un qu'on pense qui vous et des coins de vie dévastés. Pour y mourir de solitude. Tout le monde a cherché quelque chose un jour, mais tout le monde ne l'a pas trouvé. Le cercle des poètes disparu, passant la veille sur la troisième chaîne. Elle avait écrit au correcteur sur sa trousse en dents. Carpe diem. Je me souviens de celle qui m'avait fait changer de place et apprendre. Je veux parler à Dr. Sommet de la part de Pierre Brochant. Il n'y a pas de docteur ici. Excusez-moi, je suis trompé de numéro de téléphone. Qui est à l'appareil? Ah, Marlene, c'est sûr. Je peux vous dire alors que ça va très mal. Sa femme l'a quitté et il a mal à son dos. Mais arrête enfin! Mais c'est votre sœur! Je n'ai pas de sœur. Vous n'avez pas de sœur? Non. Je lui dis que qui a l'appareil, elle m'a dit que c'était sa sœur. Non, c'est son nom. Marlène, sa sœur. Oh, elle m'a dit Marlène, sa sœur. C'est confusant. Dis-le que ma femme est rentrée. Allô? Oui, c'est moi encore. Sa femme est rentrée. Ne mobilise pas mon téléphone. Je dois savoir vous quitter. J'ai peur que je le laisse tout seul. Tout seul, sa femme n'est pas rentrée. Elle est rentrée, mais elle est ressortie. J'arrive. Wake
up to the morning light, morning light, light, light. Wipe away the lonely nights, lonely nights, nights, nights. Wake up to the morning light, wipe away the lonely night. Let a brand new day wash over you. Oh, madame, sa sœur, j'ai téléphoné quand j'ai téléphoné le docteur. Quand j'ai compris que vous étiez, que vous êtes sa petite amie. Sa petite amie? Oui. Pierre va très bien maintenant. Il est sorti, il ne veut pas qu'on le dérange. Attends un peu. Vous continuez à le voir 3 ou 4 fois par semaine, comme avant. Combien de fois par semaine? Je pense qu'il vous voudrait tous les jours le voir. Crois-moi, entrez chez vous, c'est mieux. Oui, vous avez raison. Adieu. Ok. Oh, vous êtes encore là, vous? Oui, de la visite. Alors, c'est qui? Maria, Maria, elle sort d'ici. Vous avez réussi à vous virer de Maria? Oui, oui, c'est dommage parce que entre nous, elle est vraiment jolie. Je voudrais du soleil vert. Des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Oui, alors. Qu'est-ce qui se passe? Ma femme a eu un accident. Elle ne veut jamais me voir! Bonjour, Monsieur Pignon. Est-ce que vous savez qui vous êtes? Vous êtes ordonné des cons? Est-ce que vous m'avez invité dans une visite de cons? Vous êtes l'homme le plus méchant que je connais. Comment pouvez-vous faire ça? Ça, c'est très méchant. Méchant, méchant, méchant. Ma femme est qui? Laisse-moi mourir dans la misère. Madame Pochon? Oui. Je suis le comte de votre mari. J'ignore que cet homme le plus méchant que j'ai rencontré, je suis sûr qu'il est c'est le plus malheureux. J'ai été le comte où lui avait dit de ne pas venir à l'hôpital. Je l'ai vu si perdu, si misérable qu'il est. J'ai essayé d'oublier ce que j'étais un con et j'ai décidé de vous appeler, Madame Rocher. Oui. Ma femme m'a quitté il y a 2 ans, c'est le jour le plus enroulé autour de moi. Je ne souhaite ça à aucun homme, même pas votre mari. Je suppose qu'il est à côté de vous. Il est en train de vous souffler ce beau scénario si émouvant. Pas du tout, c'est moi qui a décidé de vous appeler. Il m'a rien soufflé, je suis appelé. Je vous appelais d'une cabine téléphonique. Il n'aime pas. Je pense qu'il n'aime personne. Vous imaginez tout ce qu'il a fait pour l'amour pour vous. Il s'est débarrassé de sa maîtresse. Il a ménagé dans sa vie d'une manière incroyable. Il le maintient tout seul dans son grand appartement. Je suis très inquiet pour lui. Parce que je sais qu'on peut mourir d'amour. Je vais réfléchir. Oh, n'importe quoi.
promets de réfléchir avant de traiter quelqu'un d'un con. Je le promets. Allô, Madame Brochant, je vous lis passer. Mais je croyais que vous appeliez au numéro téléphonique. Elle a raccroché. Ah! Quel con! Je veux le rappeler. Quel con! Tu vas s'arranger. Quel con! Courir à perdre haleine. Sous les étoiles, on nous voit à peine. La nuit chasse